pour les relations PME, start-up, grand groupe, ETI, ce qui pourrait probablement être amélioré, c'est simplement la connaissance mutuelle. Le fait d'avoir des temps de rencontres humaines, one-to-one, et peut-être en mode très naturel et pas forcément en mode juste pitch étudié. Ensuite, ce que j'ai retenu des diverses tables rondes auxquelles j'ai participé, c'est qu'il y a d'un bout des très grands groupes qui sont très structurés, un autre bout des start-up qui ont été élevés à aller travailler, mais au milieu des PME ETI qui sont peut-être un petit peu plus à mobiliser sur ces rencontres-là. Et toujours dans les points à améliorer, il y a beaucoup d'inquiétudes sur la partie de la contractualisation de la relation, de la protection juridique, comment on écrit un accord de consortium, comment on valide une relation pour protéger ses droits. Donc il y a probablement aussi de l'accompagnement à mener des deux côtés à ce niveau-là.